Alors nous allons parler de l'homme, de la vigne et du vin, et de leur rapport entre eux. Alors tout d'abord, pourquoi l'homme, parmi toutes les plantes, a choisi la vigne et son corollaire, le vin ? Parce qu'il remplissait deux fonctions essentielles, nécessaires et complémentaires, deux besoins primaires. Alors premièrement, l'hydratation, car le vin est une boisson sûre et potable, boisson qui se distingue de toutes les autres, est constitué entre 85 et 95% d'eau. Et deuxièmement, parce que le vin, par son pouvoir mystique, donne la faculté de s'évader temporairement de son état de conscience. En d'autres termes, d'un côté vous avez la sécurité et la survie, et de l'autre les plaisirs de la transcendance. Donc actuellement, les marketeurs diraient que c'est quand même un produit fantastique, et sûrement le premier deux en un de l'histoire de l'homme. L'homme et la vigne sont en symbiose. Alors, première définition, la symbiose, en biologie, c'est une association interne et durable entre deux organismes d'espèces différentes. Selon certains courants de la théorie darwinienne de l'évolution des espèces, la symbiose serait même un facteur d'évolution. Parce qu'elle oriente cette évolution par des phénomènes de coopération, d'interaction et de dépendance mutuelle entre organismes vivants. Alors j'entends déjà certains se dire, du haut de leur ego d'humain, c'est du délire, nous sommes tous des organismes indépendants, et moi je suis en haut de la pyramide des espèces. Je ne fais pas corps avec le raisin. Alors ça c'est faux, et c'est extrêmement faux. Et d'ailleurs, la tragique dépendance de certains individus, de la population, en est la preuve. L'homme est donc au top de la pyramide de l'ego quand il pense cela. On va prendre un exemple. On sait tous que dans les 6 premiers mois, aux alentours de 6 mois environ, les jeunes enfants découvrent leur environnement en essayant de tout mettre à la bouche. Ça commence par les grains de sable ici sur la plage, ça va parfois jusqu'au canapé du salon. Et si boire du vin était le prolongement de cette pratique à l'âge adulte ? Et si c'était le meilleur moyen, finalement, pour connaître son environnement en profondeur ? Alors je vais m'expliquer, quand même. La vigne concentre dans ses fruits un extrait profond de son environnement, qu'il soit aérien ou souterrain, les minéraux, le climat et l'influence du soleil. Par la vinification, l'homme, lui, apporte son patrimoine culturel, l'héritage des savoir-faire des générations passées, tout son empirisme, en somme. Alors, quand vous consommez ce vin que vous avez choisi, ou geste fort que l'on vous a proposé, vous acceptez ainsi d'ingérer cette infusion de culture, qui va ensuite diffuser dans l'ensemble de votre organisme, au plus profond de vos tissus. Et cette diffusion, elle est profonde, parce qu'elle va même influencer votre conscience. Voilà. Vous faites donc, sans doute involontairement ou inconsciemment, corps avec la vigne. Alors si c'est vrai, ça fait peur, hein, quand même. Mais ça a été vrai pour toutes les autres générations avant nous. Donc si on considère que les enseignements darwiniens de l'évolution des espèces et n'en déplaise à certains grincheux, sont vrais, nous sommes tous issus de lignées alcooliques. Lignées sélectionnées pour notre tolérance, voire notre résistance à cet alcool faible qu'est le vin, à ce mélange hydroalcoolique aromatisé. Alors voici, en très résumé, et en ce moment on critique beaucoup la simplification des logiciels de présentation, la flèche de l'évolution de l'humanité. Humanité qui ne sait pas vraiment d'où elle vient, ni surtout où elle va. Elle est représentée en vert, car depuis 8000 ans, donc 6000 ans avant Jésus-Christ, l'homme cultive la vigne et vinifie. Donc ici est représentée, finalement, toute la période d'entente cordiale entre l'homme et la vigne. Alors, vous voyez qu'au cours de cette période, d'éminents personnages l'ont émaillé et tous ont eu une influence cruciale, car en leur temps, ils ont tous sauvé la vigne des cataclysmes qui la menaçaient. Voilà. Alors, comme toujours, le meilleur témoignage de cette intimité, c'est l'art. Alors, en voici quelques exemples. Levez les yeux, la vigne est partout. Alors, des mythes bachiques et dionysiaques, aux représentations diverses et bien sûr religieuses. À droite, vous avez
ici la façade de l'hôtel de Sully, qui est le conservatoire des monuments nationaux. Même dans les détails les plus insidieux, on a la vigne. Ici, c'est au XVe siècle. Vous voyez dans l'arrière-plan, la perspective, c'est un des premiers exemples de perspective, est donnée par une magnifique pergola, qui est très proche des modes de culture actuels qu'on trouve dans le Piémont italien. Et même les surréalistes. Le premier Cadavreschi, alors il a été tronqué, et c'est bien dommage, parce que le Cadavreschi disait « le Cadavreschi boira le vin nouveau ». Les surréalistes nous proposaient là quand même une sorte de résurrection agréable. Alors on va s'arrêter quelques temps sur le dernier personnage, Pasteur. Napoléon III, en 1763, confiait, alors ça paraît très étrange actuellement, à l'un de ses meilleurs scientifiques de travailler sur les maladies du vin. Il étudie donc l'influence de l'oxygène sur les levures et sur les bactéries, et il invente à la suite la pasteurisation. Comme il avait distingué ces micro-organismes, lors de ses travaux suivants, il a pu en distinguer d'autres, les virus. Donc on peut penser qu'indirectement, la vigne est vraiment pour quelque chose de notre présence ici, tous aussi nombreux. Alors il a livré quelques maximes, et son influence a été très très grande au cours du début du XXe siècle, avec deux exemples qui, moi, me sidèrent toujours. La première carte routière, qui recommande de s'arrêter dans les restaurants où le vin est compris dans le menu. Voilà. Et ici, le poster destiné aux maternelles et primaires, parmi les leçons de choses. Le temps a bien changé. Donc maintenant, on va parler un peu du XXe siècle, quand même, parce que c'est celui qui nous correspond. Alors, dans le sillage de Pasteur, les enseignements de la vigne y ont été mais innombrables, et très très peu en ont conscience. Alors, la liste ne peut pas être exhaustive, et réellement, tous mériteraient qu'on s'y arrête. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a eu le phylloxéra, qui fut la première pandémie végétale, et qui a failli détruire ou rayer la vigne cultivée telle qu'on la connaît actuellement, Vitis vinifera, de la surface de la Terre. Et pour lutter contre le phylloxéra, l'homme a développé l'hybridation, intra- et interspécifique, le clonage, puisqu'actuellement, toutes les vignes mondiales sont issues de quelques clones. Donc, toutes les prémices du génie génétique sont parties de là. Alors, c'est aussi un événement, le phylloxéra, qui a mis en garde l'homme contre les risques et les dérives associés aux déplacements humains et la fragilité de nos populations. Alors, il y a aussi la mondialisation, parce que la vigne est quand même, à ma connaissance, la seule espèce qui est à la fois mondialisée au niveau de sa production et de sa consommation. C'est un flux important des échanges mondiaux. Il y a eu aussi le réchauffement climatique, car c'est grâce à la précision des dates de vendange, depuis plusieurs siècles, que nous avons pu mettre en évidence, dans nos milieux tempérés, les conséquences d'un certain réchauffement. Il y a eu aussi la prise de conscience du bio, le retour actuel au cycle lunaire, on retourne même en viticulture à l'attraction animale. On y a noté récemment quand même les dérives phytosanitaires, les tassements des sols, et la nécessité d'un retour à l'enherbement massif pour protéger la biodiversité, finalement l'équilibre des espèces. Et plus récemment, tous, vous avez été sollicités par du marketing aussi. Mais c'est grâce à vos études sur la vigne et sur le vin qu'on a découvert les antioxydants, en tout cas les polyphénols et leurs propriétés antioxydantes. Donc, même si elle peut paraître traditionnelle, la vigne, c'est clairement une culture post-moderne, en fait avant-gardiste. Notre symbiote, puisque c'est le terme associé, est finalement une alarme très fiable au dérèglement qui nous menace, au dérèglement de nos modes de vie. Et personnellement, je trouve qu'actuellement, nous la délaissons. Nous la maltraitons, cette vigne qui nous a protégés pendant plusieurs millénaires. Et ce qui me désespère aussi, c'est que même les artistes s'en désintéressent. Alors bien sûr, il reste toujours quelques écrivains et autres saltimbanques qui ne veulent pas changer de psychotrope, mais actuellement, le vin n'est plus à la mode.
Alors, puisque notre thème est la dynamique de paix et les différents changements d'air, je voudrais juste vous montrer que la fabrication du vin, c'est un cas unique de collaboration, de partage et de coopération interspécifique. Coopération très très improbable, mais spontanée. Alors, tout d'abord, il y a la vigne, qui est une espèce végétale complexe, qui produit du raisin qui est un solide. Bon. À partir des quatre éléments que l'on a classiquement, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et puis là vient l'homme, qui est aussi une autre espèce complexe, mais qui est une espèce animale. Et elle rend cette partie solide liquide. Et là, ces deux espèces complexes, finalement, confient tout le fruit de leurs travaux à des unicellulaires. Des levures, tout d'abord, puis des bactéries. Vraiment le bas de l'échelle de l'évolution. Et ensuite, certaines fois, interviennent aussi des champignons. Finalement, on a dans cette unité de lieu, qui est ce liquide, ce milieu, qui est le vin, un dialogue incroyable de tous les stades de l'évolution, et ça se passe bien. En fait, c'est une sorte de tour de Babel qui finit bien, et pour notre plus grand plaisir. Alors, ce que je voudrais vous dire en conclusion, c'est que il faut que nous plantions de la vigne, que nous la cultivions, et permettons qu'elle reste un pan de nos cultures locales. Donc, il faut qu'on partage ses fruits, et assurément, un jour, on ne sait pas comment, c'est un peu comme la recherche fondamentale, nous en retirerons les bénéfices. Et surtout, si on doit planter de la vigne, il faut qu'on le fasse dans les plus beaux endroits du monde. Car de manière très étonnante, la vigne est la seule plante que l'homme n'arrive pas à arracher. Vous en trouverez même dans les endroits les plus improbables, en banlieue de Santiago du Chili, encore en plein centre de Paris. Quelle qu'ait été la culture des hommes, une fois que la vigne est plantée, on n'arrive pas à l'arracher, et donc souvent c'est un très très bon rempart à l'urbanisation. Alors ceci étant dit, tout le lien avec le projet que je mène ici sur la Corniche, entre Urugne et un peu plus au sud et Socoa, devient évident. Alors, ça c'est la vue, donc je pense que c'est un endroit joli. Ça, c'est une partie de mon projet qui, dans la mesure où il doit s'intégrer dans un milieu local, doit permettre aussi le dialogue entre les gens de la terre et les gens de la mer. Parce que sur la côte basque, on est influencé par ces deux milieux. Donc, depuis 2008, je mène des expérimentations de vinification et d'élevage sous l'eau, donc avec la collaboration de pêcheurs et de plongeurs locaux. Ceci a deux influences. Un, ça fait parler. Et surtout, ça renforce le mythe. Mais deuxièmement, on crée ainsi des conditions qui ne sont pas reproductibles à terre. Et finalement, aussi, on est vraiment dans la lignée de l'économie d'énergie. Puisque sous l'eau, je recherche l'isothermie, l'agitation et la contrepression pour que le gaz créé lors de la fermentation se dissolve petit à petit dans le vin et garde sa fraîcheur. Le reste de la vue est cette montagne mythique pour nous, qui est la Rune. Et voilà l'autre panorama. Alors, ce sont des photos assez rares, puisque c'était juste après la plantation, et maintenant, elle a grandi, et tout est recouvert de verdure. Voilà, merci de m'avoir écouté, et buvons du vin.